Pourquoi le Cameroun n'a plus de véritable hit musical durant ces dernières années? La musique camerounaise avait eu une montée hors norme de 2015 à 2020, mais de nos jours, nous ne comprenons pas pourquoi elle a beaucoup baissé en nombre de hits. C'est devenu encore plus compliqué pour un artiste d'atteindre le simple million de vues sur YouTube. Quel est le véritable problème? Pourtant, on ne pourra pas se mentir, car ces dernières années, nous avons pourtant eu des véritables tubes mollets qui boubaient tous les coins des capitales et souvent du territoire national. Le problème se trouve-t-il sur la mauvaise qualité du vidéogramme? Ou bien le mauvais arrangement du son? Ou aussi l'absence de véritables producteurs au 237? Ou encore le public aime en cachette mais n'est pas prêt à soutenir les productions locales? On s'interroge, pourtant dans d'autres pays comme le Congo, Côte d'Ivoire, Nigeria, il suffit juste de faire un son dont l'entourage valide et le reste suit tout simplement. C'est à dire maison de production, réalisateur et autres. D'après vous, quelle est la solution pour que la nouvelle génération d'artistes au Cameroun puisse aussi connaître un véritable succès sur leurs œuvres, et faire aussi des tournées internationales pour valoriser la culture camerounaise? Nous attendons votre point de vue en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager ce contenu pour trouver une solution sur notre mouvement. C'était Van Carr. À bientôt.